Perfect. On va passer à... Voilà donc ce fameux roadster. Bon, déjà, si on veut quelque chose qui fait du bruit, bah, c'est raté parce que il est vachement silencieux. Et voilà quoi. Et il est vraiment magnifique, hein, vraiment très beau. Bon, on sent que c'est le truc qui tourne bien, un truc qui est fait pour rouler quoi, hein, qui a été bien fait, bien monté. Bon voilà, pour l'instant c'est juste, ça fait 5 minutes que je suis là, hein, donc c'est vraiment un premier coup d'œil. Je voulais faire cette petite vidéo quand il a sorti du garage, c'est tout. Donc on va approfondir, faire des photos et puis un essai de conduite et puis voilà quoi, on va voir. Mais disons voilà, donc premier coup d'œil, donc quelque chose de très 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 bien fini et qui tourne bien, à en juger par ce bruit de moteur. Déjà il a démarré au quart de tour et voilà, un ralenti très très bas et très silencieux. Voilà donc pour cette première prise de contact, donc on va essayer d'en savoir plus. Voilà, le vendeur est quelqu'un de très 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 sympa, personne âgée. Il a acheté la voiture en 2007, donc ça fait 5 ans qu'il l'a. Il s'est fait plaisir, en fait ça lui a rappelé une voiture qu'il avait, une voiture d'enfance qu'il avait, c'était un Ford 1931 qui avait exactement la même combinaison de couleurs, jaune et noir, donc ça a été un achat coup de cœur. Voilà, donc ça fait 5 ans qu'il l'a. Il a fait réviser le moteur, la transmission, carburateur récemment. Et puis voilà, bon bah bien sûr comme souvent c'est un véhicule qui, selon lui, qui n'utilise pas assez, et c'est la raison principale pour laquelle il le vend. Voilà, première prise de contact, on va continuer, on va essayer d'en savoir plus, mais enfin pour l'instant très très bonne première impression.